Bonjour à tous. La situation est toujours aussi grave en ce qui concerne la sécheresse sur ces sols vraiment extrêmement secs qui n'ont donc pas une goutte de pluie déjà depuis de nombreuses semaines, avec également ces broussailles donc qui sont entièrement jaunies par cette sécheresse. Alors nous avons sur l'ensemble de la France toujours l'anticyclone qui navigue donc sur ces régions et puis de l'autre côté notre petite dépression qui pilote donc de l'air chaud au large du Portugal et qui remonte ensuite sur l'ensemble du pays. Nous avons toujours plusieurs départements placés en vigilance orange sur l'ouest du pays, une vigilance qui va probablement évoluer cet après-midi, voire demain matin, vers les régions les plus centrales et le bassin parisien, car on a toujours ce soleil de plomb sur ces régions, ce vent de terre de secteur nord-est qui souffle sur l'ensemble du pays et les températures qui continuent de progresser. On aura encore localement aujourd'hui jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest. On va dépasser les 33-34 degrés sur la moitié nord. Et ce soir encore, la situation va rester quasi inchangée, très calme, avec toujours un peu de vent quand même pour vos soirées sur le nord du pays. Ça permet quand même de passer des nuits assez agréables. Mais malgré tout, comme les températures maintenant vont progresser, le ressenti le sera de moins en moins. On attend 26 degrés encore à 23 heures à Paris, 26 à Rennes, 29 degrés à Bordeaux. Et pour la situation de demain, ce sera exactement la même journée qu'aujourd'hui, avec ce front ciel bleu qui va persister, ce vent de terre de secteur nord-est qui va continuer de souffler et dans le courant de l'après-midi, très localement peut-être, un petit risque d'ondées, notamment pour les Alpes du Sud et les Pyrénées. Quant aux températures, elles ne vont pas beaucoup évoluer sur les côtes de la Manche, mais elles vont un peu plus progresser à l'intérieur des terres. Ce sera le cas pour le sud-ouest et le nord du pays. Et dans le courant de l'après-midi, là encore, on va gagner 1 à 2 degrés supplémentaires absolument partout. On va atteindre les 37 degrés notamment pour le bassin rennais. La suite, eh bien, c'est toujours cette chaleur pour la journée de vendredi. Un changement de temps devrait s'amorcer à partir de samedi sur l'ouest du pays. On pourrait avoir même un peu plus de fraîcheur pour le Pays basque avant l'arrivée de quelques orages prévus pour dimanche. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal.